Salut à tous, c'est FS Belgium. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit glitch sur GTA Online. Je vais vous expliquer comment avoir vos bras en invisible sur GTA Online. Pour ce faire, vous allez devoir déjà vous rendre à votre maison et vous allez devoir changer de vêtements. Alors pour pouvoir changer de vêtements, bien sûr, vous allez devoir au préalable aller au magasin et acheter. Donc pour faire ce glitch, il faudra une veste de costume, il vous faudra un blouson de cuir et il vous faudra pour finir un débardeur. Donc si vous avez déjà tout ça, c'est bon, on va pouvoir faire ce glitch. Donc vous vous rendrez dans votre dressing, à votre maison quoi. Ce que vous allez faire, vous allez mettre votre veste de costume. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire comme deuxième étape, vous allez vous mettre un débardeur, donc peu importe la couleur, hein, ça change rien du tout. Et ensuite, vous allez faire retour et vous allez vous mettre vous allez dans blouson de cuir. Vous allez descendre et qu'est-ce qui va se passer? En fait, vos bras vont devenir invisibles. Vous n'allez pas faire X ou la touche A si vous êtes sur Xbox pour sélectionner le blouson de cuir. Vous allez faire Start. Et ensuite, vous allez quitter le start. Et ainsi, vos bras seront en invisible. Donc, je dis faites bien attention. Enfin, ne cliquez pas sur X ou sur A pour sélectionner le blouson en cuir. Sinon, le blouson va se mettre et le glitch ne fonctionnera pas. Donc, vous faites bien start. Et ensuite, vous quittez. Donc, ce glitch est vraiment super fun si vous jouez avec des potes ou si vous voulez impressionner n'importe qui. Dans les serveurs, ils vont vraiment se dire what the fuck, qu'est-ce qui se passe. Bref, voilà quoi. Et si vous désirez par la suite remettre vos bras, il y aura aucun problème, car il vous suffira juste d'aller dans votre linge, donc une nouvelle fois, et de mettre n'importe quel vêtement par-dessus, ainsi vos bras réapparaîtront directement. En tout cas, si vous avez aimé ce petit glitch, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vert juste en dessous de la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.